Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Dying Light 2. Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois on a fait une tonne de trucs intéressants. Alright. Donc je tiens à vous dire que j'ai joué hors vidéo et j'ai fait une tonne de trucs comme explorer la map pour obtenir une tonne d'objets de fabrication par-ci par-là. Et je tiens à vous dire que j'ai aussi complété deux quêtes secondaires, c'était génial. J'ai pogné des armes en or. Alors je tiens à vous dire que ces armes de niveau 1 sont moins fortes que ces armes grises de niveau 2. Ce qui est vraiment bizarre là, mais bon. En tout cas, première chose à faire, compétences, parce que j'ai pogné un point de compétence, un point de combat et un point de parcours. Alors pour le point de combat, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Parade parfaite. J'avais dit que je voulais faire esquive parfaite, hein? Mais bon, en tout cas, parade parfaite. Réaliser une parade parfaite pour désorienter votre ennemi pendant plus longtemps et provoquer un effet de ralenti qui vous permettra d'enchaîner vos prochaines actions plus facilement. Ça, je l'utilise toujours d'habitude. Attaque puissante. Oh, effectuer une attaque puissante qui inflige plus de dégâts, interrompt les attaques ennemies et bloque. Oh my god, je devrais utiliser ça. Moi, j'adore ceci. Allez, let's go. On y va. Et ensuite, point de parcours. Qu'est-ce que j'ai? Saut lointain. Servez-vous des obstacles pour vous appuyer dessus et sauter plus loin. Wow! Ok, augmentez votre vitesse lorsque vous franchissez des obstacles tels que des pentes, des planches d'équilibre et des conduits d'escalade, des ouvertures murales, etc. Ok, non, moi je veux ceci pour pouvoir sauter super loin parce que j'utilise souvent cette affaire-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui! Améliorer un petit peu mes trucs avec l'artisan, parce que là c'est très 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 important. Alors je vais pas acheter ces trucs là pendant ça, même si j'ai beaucoup de cash, parce que je sens que j'en aurai besoin dans le futur. Donc ce que je voulais faire, ouais, j'ai pogné beaucoup de trophées d'infectés inhabituels. Alors je peux améliorer des trucs comme le booster d'immunité. Je suis sûr que ça va me servir. Alors let's go. Attendez, améliorer avec des objets, voilà. Ensuite je vais améliorer couteau de jet, pourquoi pas, parce que ça c'est quelque chose que je vais sûrement utiliser. Ensuite je peux améliorer quelque chose, pourquoi pas étincelle pour que ce soit bleu. Ouais, voilà, voilà. Donc ça augmente mes trucs par-ci par-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Peut-être que je devrais acheter des trucs par-ci par-là, hein, pour mettre ça dans mes armes. Venin flambé. Ok, c'est bon, je vais garder mon cash et on y va. Ah oui, ce que je dois faire, il faut que ce soit le soir. Et puis attendez, donnez-moi une seconde, c'est vrai, il faut que j'équipe mes armes. Alors je vais utiliser les armes de niveau 1 tout d'abord, ensuite on va utiliser les armes de niveau 2. Alors je vais utiliser ceci, pour ça on va mettre ça, pour ça on va mettre ça, et pour ça on va mettre... Ouais, c'est carré. Et je tiens à vous dire qu'il y a des armes qui sont plus fortes contre les humains. Par exemple ça, vous voyez, au milieu c'est écrit dégâts contre humains plus 12%. Et bien ça, il n'y a pas ça, donc... En tout cas, moi là, honnêtement, pour ces dégâts bonus et tout, je regarde pas ça, j'utilise des armes que je veux. Mais je crois que je dois commencer à regarder ça parce que les zombies et les humains là sont loin à tuer, alors... Ouais, faut que je fasse attention à ça, hein. Ok, c'est quoi? C'est bon, je vais regarder ça à partir de maintenant. Alors, le blabla du début est terminé, nous pouvons partir à l'aventure. J'aurais pu vendre des objets par-ci par-là, mais j'ai tellement de place dans mon inventaire, je n'ai pas besoin de ça. Alors, pourquoi je suis allé dodo? Faut que ce soit la nuit pour continuer la quête principale. On y va. Donc, on doit aller là. Alors, pour ce faire, il faut se diriger où exactement? On va regarder la map. Ah oui, j'ai débloqué ce moulin. Et là, le truc, c'est que quand j'ai allé en haut du moulin pour débloquer cet endroit, une tonne de personnes sont venues. C'était insane. Et puis, je peux faire du troc avec des gens. Alors, c'est quand même nice, non? Attendez. Voilà, ok. C'est bon. Donc, aussi... j'ai pas exploré autant la map non plus, parce que j'ai découvert que lorsque tu débloques un moulin... Yo! Cours-moi après! Let's go! Appelle tous tes amis! Il a pas appelé ses amis. Lui non plus? Est-ce qu'il va appeler ses amis? Non. Mais bon, en débloquant les moulins... On dirait que j'ai rencontré Carl avant toi. Quant à Sophie, je fais un boulot pour elle en ce moment. Un boulot? Je l'aide à sauver son frangin. C'est bien ça. Gagne sa confiance. Sophie pourrait bien avoir des infos sur la mort de Lucas. Il se passe pas grand-chose dans le coin sans qu'elle le sache. Sauf si son taré de frangin est impliqué. Méfie-toi de Barney. Il a un brin nerveux. Alright, c'est ça. Donc, en débloquant le moulin, je croyais que je pouvais débloquer des déplacements rapides. Mais ça n'a pas du tout marché, pour être honnête avec vous. Et là, faut vraiment que j'aille en bas. Oh my god! Mais je fais poursuivre, les amis! Quoi? Inspecter? C'est pas le moment, il y a des zombies qui me chassent, voyons donc! Au secours! Oh, pitié! Aidez-nous! Qu'est-ce qui s'est passé?
Des infectés nous ont attaqués. Ils ont mis notre moulin en pièces. Toutes nos lampes UV sont en panne. Je vois pas comment je pourrais aider. Si on ne remet pas nos lampes en marche, on passera pas la nuit. Ok, je ne peux rien faire, je vais faire mon possible. Ah ! Je vais faire mon possible. Très bien, je ferai mon possible. Ok, est-ce que c'est une quête secondaire ou une quête principale? Là, je suis comme perdu. Attendez, objectif mise à jour. Ouh, il y a plein de pépites. Donne-moi une seconde, je vais juste voir mon journal. Vite fait, bien fait. Ok, donc ça... Je crois pas que ce soit... Non, j'ai juste une quête en ce moment. Et c'est ça, alors. Ça fait partie de la quête principale, là. Ok, attendez une seconde. J'ai vu que compétence... Oh, c'est vrai, j'ai oublié de faire quelque chose. Il y a une amélioration disponible parce que j'ai pris des inhibiteurs. Alors, ce que je peux faire, c'est soit augmenter mon endurance ou ma santé. Mais je crois que je vais augmenter ma santé parce que, pour l'instant, j'ai assez d'endurance. Selon moi, en tout cas. Et oh, mon immunité! 5 minutes 27. Nice ou nice ou... Ok, attendez une seconde aussi. Ce que je veux faire, c'est voir... C'est quel marteau qui fait mal aux humains? Parce que je vais préserver ça pour l'instant, c'est ça, marteau antique? Ok, c'est marteau antique, ça c'est bonus de dégâts si santé max, régénération, endurance et attaque puissante, bonus de dégâts si endurance faible. Ok, ouais, je vais utiliser le marteau antique, voilà. Donc, donnez-moi une seconde. Il faut que je me réhabitue au bouton. Alors là, j'ai même pas mis de mode là-dedans? Oh! C'est parce que c'est cette arme, le hachoir qui possède le mode. Ok, on va utiliser le hachoir tout d'abord. Bon, ok, au moins je sais quoi utiliser maintenant. Attends, bande de fous furieux. Je crois que je vais attaquer ce bonhomme. Il est seul. Sophie, je suis à l'intérieur. Toujours aucun signe de Barney. Tu dois le trouver. Il doit bien être quelque part là-dedans. Je vais voir ça. Vite. C'est pas le moment de parler comme ça quand il y a des bonhommes qui veulent ta peau, hein. Je parle comme si de rien n'était, j'étais tout calme quand je suis en train d'étrangler des zombies. Mais bon, en tout cas, on n'a pas le temps de niaiser avec eux. Il faut que j'aille tout en haut. Ok. Ouais, il faut que j'utilise mon instinct de survie, je le sais très bien. Voilà! Bonne nuit, Brady! Attends. Oupray! Wouh! Honnêtement, je vais sûrement fouiller les trucs qui sont verts ou bleus. Ou même orange. Des trucs comme... Vous voyez, comme tout à l'heure, on a fouillé des trucs verts. Ah, ça c'est un truc orange. Alors pourquoi pas, on va prendre cette note. Mais les trucs qui sont blancs, qui donnent de la farine et tout. Je vais pas faire ça. Nah, pourquoi? Je peux faire ça hors vidéo et comme ça, on économise du temps, disons. Et là, comment je vais... Vous voulez me dire que je peux passer par là? Faire quoi? Passer par là ensuite? Ok, les amis. Est-ce que c'est moi ou bien il faut que je fasse le tour pour vrai? Ok. Tranquille. Attendez. Me semble que j'ai des leurres. Ah! Vous savez quoi? YOLO, man! La créativité, c'est pas mon fort. Je savais pas par où passer pour être honnête avec vous. Oh! Je me rappelle que j'ai joué hors vidéo. Ça m'a pris du temps pour tuer les zombies. Des fois, ça prenait 10 coups. Parce que je jouais contre des zombies de... Des niveau 2. Eux, ils sont des niveau 1. Alors là, c'est beaucoup plus facile maintenant. C'est génial. Bon, voilà. Comme ça, on peut avancer plus rapidement dans le jeu aussi. Méchant! Pika Pikachu! Perfecto. Attendez, tranquille. Ah, c'est par là? Ah, c'est par là qu'il faut passer. Ouais, ok. Mais ouais, comme... Ça, là, ce genre de truc, je vais pas fouiller ça. Bon, en fait, je vais fouiller ça. Ça fait partie du jeu, hein. Ok, merci pour ça. Barney, tu m'entends? Au rapport, bordel. Sophie, c'est Aiden. J'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé, Sophie. C'est pas Barney. C'est Kojak. Il est des nôtres. Ils étaient ensemble. Barney doit pas être bien loin. Sophie est super contente, hein? Oh, qu'est-ce qui se passe? Enquête! Certaines informations ne sont pas visibles à l'œil nu. Pour les découvrir, vous devrez utiliser la fonction enquête. Pour mener une enquête sur une zone, appuyez sur R3 pour utiliser votre instinct de survie et chercher des pistes aux alentours. Suivez les pistes qui formeront un chemin jusqu'à votre objectif. Si besoin, servez-vous de votre instinct de survie à nouveau pour rafraîchir les pistes. Ok, d'accord. Je suis un boss, oui, je suis un monstre! Il faut que j'aille par là. Sophie, j'ai trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches.
Dépêche-toi, Aiden. Y a des petits infectés qui veulent ma peau, hein? Kill. Ouais, je devrais peut-être utiliser des champis. Donnez-moi une seconde. Attends, on va prendre ça. Ok, champis, voilà. Donc, X. On va manger des champignons vénéneux. Perfecto. Yo, de l'autre côté, je me demande s'il y a de quoi. Mais bon, ok. Allons ici. My boy, what the hell? Oh, je peux le taper. Je peux le taper de là, vous n'êtes pas sérieux. Ok, non, ça c'était bizarre. Je peux pas passer par là. Mais en vrai, qu'on me dit d'aller là, hein? Oui, attendez. Oh, attendez. Faut que j'aille en haut. Mais on me dit de... Ok, non, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il y a un 2 ici? Je comprends pas. Bon, écoutez, je crois que je vais passer par là. Je crois que c'est l'endroit où il faut aller. Ne me dis pas. Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Ben oui, regardez! On me dit de passer par là! Oh! Le zombie m'a empêché d'y aller! Qu'est-ce que je fais? Barney, c'est toi? T'es qui, putain? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois, dégage! Oh! Ces cristaux sont à nous! T'as pigé, t'y trouveras pas! Barney, ouvre! Va te faire foutre! Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. Cet enfoiré est têtu. Essaie de lui parler. Je vais essayer. Barney! Retourne d'où tu viens! Tu devrais juste dire à Sophie de parler à Barney. Voyons donc. Sors de là ou je vais te faire sortir. Arrête de jouer les dehors. Ta soeur s'inquiète pour toi. Ok, on va être gentil. Ta soeur s'inquiète pour toi. T'as pas intérêt. Laisse Sophie en dehors de tout ça. Mais c'est la vérité. T'as de la chance que je sois occupé, crétin. Barney, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dégage. T'auras rien de moi. Putain de merde. Super. Yeah, super, on peut se battre contre eux et obtenir de l'expérience. Ne vous en faites pas, je suis le boss. Je vais te couper la tête dans 3 secondes. Ok, ça a pris du temps pour que je puisse jouer, hein. Méchant. Attends, tranquille. Yo, vous savez quoi, je devrais faire une petite attaque puissante, hein. Pour l'instant, je vois pas l'utilité d'utiliser une attaque puissante sur ces petits bonhommes, mais regardez ça, attendez. Bon, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ouh, bonne nuit, pépé. Attends, méchant. Reste à terre. Méchant. Wouhou, je l'ai pikachué, bro. Est-ce que vous avez ça? Ok, non. Lui, là, ça bosse. Je me demande si je garde plus longtemps, est-ce que ça fait plus de dégâts? Selon moi, non, là, mais... Méchant! Attends. Mais ça utilise la même endurance, hein? Attends. Je l'ai one-shot, bro! Attends, mon immunité est critique, là. Ok, attends, c'est l'heure de manger un petit champignon vénéneux. Voilà, et... Brother, what? Attends, est-ce que vous êtes sérieux? Oh, laissez-moi fouiller ces bonhommes vite fait bien fait parce qu'ils ont peut-être de quoi. Tissu, c'est important. Ok, c'est bon. Pour l'instant là, oh, je me suis bien amusé à les détruire. Oh, toi, je t'avais presque oublié, frère. Barney! Ok, c'est bon. Je vais le transformer dans 30 secondes si ça continue comme ça. Ils sont partis. Ouais, viens prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais te tabasser pour ça. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris? Il a attiré ses enfoirés tout seul, tu piges? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney.
Je rentrerai pas sans lui. Je vais aller le chercher. Il devra se trouver de là tout seul. On se barre. Oh my god! Toutes mes décisions ont une incidence sur le jeu. Je vais aller le chercher. Où est-ce que je peux le trouver? Il était au rez-de-chaussée quand ces enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord. Tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi, compris? Vite! Yes, yes, mais... n'aie pas peur de lui, hein, tranquille. Oh, tu refermes tout! Et mon immunité est 5 minutes 24! Oh, avant ça, j'aurais pas utilisé de champignons vénéneux, man! Oh, je peux pas passer... Ah, bah oui. Du sang. Ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Ok, d'accord. Ouvrir. Oh my god, attendez. Oh! Ouais, cette attaque ne fait pas beaucoup de dégâts ici, je garde le bouton. Bonne nuit, Pépito. Ok, c'est bon, on n'a pas le temps niaiser. On doit savoir où il est parti, et c'est à l'intérieur. T'as trouvé Birdie? Pas encore. Il allait pas se rendre sans lutter. Yes, tu l'as dit, Buffy. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh my god. Yo, vous savez, j'ai dit que j'allais pas looter les petits trucs... comme ça, c'est vert. Mais les petits trucs blancs, là... J'ai dit que j'allais pas les looter, mais quand j'en vois là, ça me tente tellement d'en looter, c'est incroyable. Comme ça là, vous voyez, j'ai envie de looter ça. Mais bon, ok, non. À partir de maintenant, je vais pas le faire. Non, je dois le faire. Peut-être que je vais trouver de quoi d'intéressant, je sais pas. Et là, ok, il faut vraiment que je suive les traces. J'ai vu qu'il y avait des traces ici. Donc t'es passé par là. C'est ça, non? Oh, par là! What the hell? Yo, blood! Reste dans la maison! Y'a un hurleur, ok, faut faire attention. Tu n'es pas sérieux, bro! Pas maintenant, guys! Wouhouhou! Ok, je suis en train de tourner en rond depuis. Ah! Oh mon dieu! Ok, les potos, this is not good! Oh, bande de fous, man! Bande de fous! Restez à la maison! Restez à la maison! Tranquille! Oh my god! Mon dieu, là! Oh, pourquoi t'es venu comme ça? Méchant! Oh, oh mon dieu, Jésus! Attendez, tranquille. Yo, je n'ai pas peur! Ok, je commence à capoter les potos, vous savez quoi? Moi, je m'en vais d'ici, comme ça! Et ensuite, regardez ça! Oh! Méchant! Yo! Oh my god, vous allez venir à longueur de journée, ok, j'ai compris. Moi, je m'en vais de là. Oh, le hurleur est là, vous n'êtes pas sérieux, guys. Ah! Attends! Laisse-moi aller à l'intérieur! Ah! Poursuivre niveau 2 sur 4! J'ai fermé la porte. Yo, donnez-moi une seconde. J'avais pas prévu ça. Est-ce que vous êtes là, guys? Oh, il y a un petit champignon venu, je l'avais même pas remarqué. Yo, ça va l'artier, Guidou, hein? Attends, donnez-moi une seconde. Oh mon dieu, c'est bon, vous n'êtes pas sérieux, man. Attends, voilà. Yo, tu peux me laisser passer, bro? Il veut pas me laisser passer. Ok, pour l'instant, Chitty Guidou. Ok. Poursuivre niveau 2-4. Est-ce qu'ils vont me poursuivre à longueur de journée? Est-ce que je devrais aller dans un endroit où je peux être immunisé? Oh, man, c'est trop loin. Je veux pas utiliser des champis, mais quand j'ai pas le choix, hein. Je suis en train de juger les champignons, donnez-moi une seconde. Oh, la poursuite est terminée, juste à cause d'un hurleur. Ok, c'est bon, on recommence le tout, ne vous en faites pas cette fois-ci. Faites très attention, l'hurleur est là. Très attention. Je m'appelle Naruto-chan! Oh oui! C'est même pas le hurleur que j'avais besoin! Non. L'autre hurleur, il nous... Oh, what the hell? Oh non! Recommence pas, frère! Recommence pas! Oh my god! Ok, non, ça va jamais se terminer! Wow! Bande de fous furieux, pour vrai, hein? Bam! Je crois que... Si je passe par là... Je peux trouver un autre... Oh my god, yo, vous êtes pas sérieux, c'est rempli pour vrai des zombies, man. Ok, attendez.
Si j'y vais rapido presto. Ok. I got it. Là, je vais faire super attention. Mais là... Oh, c'est parce que t'es allé en haut, dude. Oh my god, toujours regarder autour de soi. Oh, d'accord. Ok, c'est pour ça que j'avais perdu tes traces. Joyeux anniversaire, Birdie. What the hell? Yo, tu me fais peur avec ton joyeux anniversaire, man. Ok, t'es passé par où, bro? Je l'entends un petit peu. Il s'en fout, les chiens, pour vrai. Regardez. T'étais allé ici. Tu es monté là. Là, tu es allé là, c'est ça, si je comprends bien. What the hell? Est-ce que c'est moi ou bien je vois mal les traces? Attends, 16 ans. Ok. Attendez, regardez ça. Les traces. Est-ce que tu as vraiment sauté? Non, comme tu es monté ici. What the hell? Les traces sont pas... C'est où? Je suis supposé voir des... Ok, des fois je vois des traces, des fois je vois pas de traces parce que... Ok, non, ça c'est bizarre. Vous savez quoi? On va juste se promener. Je suis sûr qu'il est tout en haut là. Let's go. Oh! Oh! Hey, Peter! C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Hey, Peter, à proximité. Moi, je voulais suivre les traces. Je voulais plus me promener comme un fou à faire mon bizarre là. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, il est vraiment allé là. T'es qui, toi? Aiden, tu peux bouger? C'est Barney qui m'envoie. Barney? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Il s'en est sorti, pas vrai? Il a les cristaux? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué 3 infectés. T'as vu? Bon, il y en avait déjà 2 de blessés, mais... Écoute... Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... Je peux te demander un service. Tu vois, ça là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens, mais on doit faire vite. Bien sûr. Je dois juste... Allô? Maman? T'es là? Maman? Nathan? C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Tout va bien, maman. On a presque fini ici avec Barney. Barney? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'énerve pas, maman. Écoute, on les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué 3 infectés. Je les ai tabassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan, c'est quoi ce délire? Nathan! Nathan! Joyeux anniversaire! Barney, t'es là? T'as trouvé Birdie? Il était dans un sale état, Barney. Je suis désolé. Merde! Putain de mordeur! J'adorais cet avorton, Aiden. Je lui avais dit de rester en arrière. On dégage de là. Y'a rien pour nous ici. Mon biomarqueur. Il commence à border le rouge, Aiden. J'atteindrai pas le bazar. Je dois attendre quelque part. Juste à l'extérieur de la zone sombre, y'a un moulin à vent. Je vais le réparer et te dire quand ce sera sûr. Tu peux te cacher ici jusqu'à l'aube. D'accord, compris. Dépêche-toi. Ah, il faut vraiment que je joue avec ce moulin à vent? Oh! Je suis venu ici juste parce que j'ai vu qu'il y avait un moulin à vent et tout, là. Ok, alright, c'est mon objectif. Alors, en même temps, vous allez voir à quoi ressemble le fait d'ouvrir... De libérer, de conquérir, appelez ça comme vous voulez, un moulin à vent. Et là, il est parti sans moi, mais... Pauvre Barney! Ah! Pas pauvre Barney, là, mais... Bon, en tout cas, allez, on y va. Tranquille, relax. Est-ce que je vais y arriver selon vous? What? Wesh! Oh, j'ai plus d'endurance, mais j'avais peur pendant des temps, bro. Ouh, le moulin avant que j'ai débloqué, là, ce n'est pas aussi difficile que ça. Mais là, j'ai un gros problème. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ne me dites pas que.
You're not serious. Wow! Vous avez ce son, les amis, oui! Ok, ouais, c'est ça, voilà. Il faut faire ça. Ensuite, on va le débloquer. Mais il n'y a pas de voyage rapide. Pas pour l'instant, en tout cas. Ou peut-être pas tout court, je sais pas, là, mais bon. Bienvenue dans la Polo Corporation! On a de tout ici! Des lits, de l'eau et surtout, des objets à vendre! Bienvenue sur mon toit, les amis! Hayden? T'es là? Barney est déjà là. Il vient d'arriver. Quoi? Il était censé m'attendre. Il ne t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. C'est pour ça qu'il m'a envoyé chercher son ami, pour pouvoir s'échapper. Non, ce n'est pas ça. Merci. Reviens au bazar, je vais tout expliquer. Merci beaucoup. Voyez cette belle colonie? Eh bien maintenant, on peut aller faire un petit dodo pour que ce soit le jour et comme ça, je ne me fais pas poursuivre par des fous furieux ou faire en sorte qu'il y ait leur hurle pour que les fous furieux me poursuivent. Ouais. Allez. Non, ok, aucune logique là, mais bon. Alright, donc je peux vendre des trucs à ce mec là, mais je peux aussi en acheter. Je vais rien acheter pour l'instant, parce que je préfère garder mon cash pour autre chose si j'en ai besoin dans le futur. Et là, j'ai beaucoup d'armes ici. Je crois que je vais vendre quelques-uns, hein. Attendez, comme ceci. Je vais garder ces deux-là, ouais, pourquoi pas. Non, en fait, je vais en vendre un parce que je suis sûr que je vais en trouver dans le futur. En fait, je vais vendre ces deux-là. Je vais gaspiller mes armes de niveau 1 qui sont de type légendaire et épique et tout ça. Et ensuite, ça, je vais l'utiliser. Ne vous en faites pas, je sais ce que je fais. Je pense, en tout cas. Donc, il faut aller voir Sophie. Alors, whoop-a-day! Wouhou! J'ai une colonie ici, j'ai une autre colonie dans un autre moulin. Je vais devenir le plus riche de la Polo Corporation. Alright, c'est bon. Il faut courir à 120 mètres. Wow! Est-ce que vous avez ça? 120 mètres est devenu 70 mètres? Attends, ça c'était quoi ça? What the hell? Quand je me suis téléporté sans le savoir? Ici. Voilà, retournez voir Sophie. Waja! Sophie! Tu pouvais pas faire pire. Ok, elle est là-bas. Comment vas-tu, Sophie? Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai? Ça dépend, non? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie? Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? Yo! Je suis venu te sauver, tu me dis ça, bro? Pourquoi m'avoir trompé? T'étais censé m'attendre. Censé? Les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein? Te craindre? Toi? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerin. Et ils te concernent pas. Deux de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdie pour me distraire, c'est bien ça? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Birdie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Waouh! Je viens te sauver, c'est comme ça que tu me remercies. Ah, les gens ici, je comprends pourquoi personne veut les sauver, voyons donc. Alright, ici, se retrouve. Oh, what the hell? On doit les tuer, Carl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On ne négocie pas avec des extorqueurs. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses. Mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personnes de confiance. C'est quoi ces problèmes? T'es un peu curieux.
Pas vrai, Aiden? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Interroger à propos de la conversation avec Carl. La querelle avec Carl, c'était quoi le motif? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois? Des gens qui boivent du café et du thé? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a 2 semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaises surprises. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète. T'inquiète pas, j'ai des lunettes. Je vois de super loin. Et puis là, l'écran arrête pas d'aller vers le noir, là, à chaque fois. Oh my god, je suis vraiment désolé, mais c'est le jeu qui est comme ça. Marteau de fortune niveau 1. Oh, nouvelle quête histoire. L'arrivée. Ok, donnez-moi une seconde, amigo. Alors, je veux regarder mon inventaire. Et l'arrivée, ça a l'air de quoi? Quoi? Attends, est-ce que c'est marteau de fortune ou conduit puis... Non, c'est ça, hein? Marteau de fortune? Ils ont pris nos armes, alors on s'en fait de nouvelles. Oh! Alright, l'arrivée, c'est le nom de la quête, pardon. Alors, donnez-moi une seconde, voyons voir qu'est-ce que je peux faire. T'as rien de nouveau, je peux peut-être améliorer des trucs. J'ai 5 trophées avec moi, je vais pas améliorer le crochet, oubliez ça. Cocktail Molotov! Ouh, peut-être je devrais améliorer ça, hein? Ouais, pourquoi pas, parce que je peux utiliser ça. J'en ai même avec moi. Mais est-ce que je peux en fabriquer? Oh! Non, il faut de la ferraille, tissu et de l'alcool. J'en ai quand même assez. Couteau de jet. Ouais, je peux en confectionner une tonne. Ce médicament, je peux pas. Il me faut du miel et puis des fleurs et tout ça. Ah là là, il faudrait que j'aille en chercher. J'ai quasiment plus de médicaments. Il me reste juste un. Ok, les amis, vous savez quoi? On va prendre une petite pause. Alors, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, on a sauvé un bonhomme qui n'est pas du tout reconnaissant et je le regrette un peu. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Prata, thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!